Retour sur la mise en vigueur du système d'information sur les visas pardon, dans l'espace Schengen. Un collège d'ambassadeurs côté du chef de délégation de l'Union européenne ont donné une conférence de presse, une rencontre avec les hommes des médias pour expliquer les avantages et utilités d'une base de données sur les visas de court séjour. Fabrice Hermelin Gomez pour le compte-rendu. 26 États européens constituent l'espace Schengen et ils ont décidé de supprimer tout contrôle des personnes lors du franchissement de leurs frontières. Depuis le 14 mars dernier, le visa VIS est en vigueur dans tous les consulats des États Schengen en République du Bénin. 5 représentations diplomatiques sont habilitées à les délivrer, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France et les Pays-Bas. L'État compétent pour délivrer le visa est celui dont le pays est la destination unique ou principale du voyage. L'harmonisation des procédures, c'est une évidence. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons plusieurs années d'expérience d'harmonisation des procédures. Et nous insistons sur le fait que la prise d'empreintes digitales ne doit pas être associée avec la criminalité. Par accord bilatéraux, certaines ambassades peuvent en délivrer à des pays nommément désignés. Et pour l'avoir, voici les modalités au niveau, par exemple, de l'ambassade de France. Au fond, la plupart des personnes doivent se présenter, bien sûr, pour leurs empreintes digitales. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les demandes suivantes, introduites dans un délai de 5 ans, les empreintes pourront être copiées du premier dossier enregistré dans le VIS. Cette procédure, pour celles et ceux qui la connaissent, est très rapide, simple, discrète. C'est-à-dire que si quelqu'un veut usurper votre identité, eh bien le système pourra le détecter. Le refus d'une ambassade d'accorder son visa à un individu n'emporte pas systématiquement sur le visa Schengen. Et il faut le signaler, certaines catégories de demandeurs sont exemptées de l'obligation de fournir des empreintes digitales, pourtant condition sine qua non au VIS, entendez, Visa Informatique Système.